Ils n'ont même pas un stage. Parce que eux, ils ont mis des conditions. Mais nous aussi, on doit mettre des conditions. Tu viens, tu ouvres ta société chez nous au Gabon. Eh bien, tu as 3% dans ta société. Les autres pots, c'est pour les nationaux. Donc, il faut qu'on en arrive là. Je vais vous prendre une grande banque comme BGFI Bank à Dakar. Ils ont ouvert. Combien de Gabonais travaillent à Dakar? Sur un personnel de 200, il n'y a que deux Gabonais. Et à un moment, je disais au DG de la banque, mais vous avez ouvert une banque où même les étudiants gabonais à Dakar n'arrivent pas à avoir des stages. Il me dit, c'est pas moi, c'est parce que c'est les conditions de l'État, ils ont ficelé. Vous ouvrez, on vous donne deux postes, le reste des postes, c'est les nationaux, c'est les Sénégalais qui travaillent. Impossible d'y accéder parce qu'ils ont verrouillé la loi du travail. Et donc, ça aussi, c'est des choses à voir chez nous. Les opérateurs économiques qui arrivent, oui, on a des ingénieurs, on verrouille, ils recrutent sur place. Il n'y a pas à nous faire venir d'autres personnes d'ailleurs, ainsi de suite. Je ne vais pas citer, vous ouvrez une société, après ils sont 15, 20 000 que vous connaissez, qui travaillent, c'est la même famille, on fait venir son parent, qui vient de l'étranger, son frère, et tous travaillent, et les Gabonais sont là, ils attendent. Non. Les choses ne doivent plus être comme ça.